Bien. Bien, 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 bien. Donc, City Skylines, Vanilla, sans mode, à partir de zéro. En français pour la peine, même si ça a été un peu traduit avec les fesses. D'abord, c'est un peu des salauds pour désactiver, pour débloquer tous les types de routes. On va commencer par en construire une. Qu'importe où. On abandonne. Je vais mettre en pause, comme ça j'ai les remboursements quand je détruis des choses. L'accès autoroute. Oui, je sais. On a l'accès autoroute. Ce que j'aime bien faire, c'est un genre de rond-point en arrivant. Donc, voilà. Ça me permettra des connexions faciles après. Boum. Voilà. Pour que ça serve de rond-point, je te le mets en sens unique. Clic droit pour changer le sens. Voilà. Et puis, on va faire. Des actes. Ah! Non, 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 non. Ça sera pas centré, ça va me stresser. Avantage d'être en pause, on me rembourse quand je fais ça. C'est pas intégral, mais c'est suffisant. 5, 4. Le guide apparaît quand on est à 5 cases de longueur. Et là, on est à 10. Donc. Hop. Voilà. Et puis je vais préparer des accès qui iront vers des voies uniques. Voilà. Et je les connecte. Ce qui va me permettre. Dans l'immédiat, ça paraît un peu overkill, mais par la suite, comme ça me permettra de séparer les flux entrants et sortants. Et pouvoir passer à facilement des gros boulevards, etc. là-dessus. Bien. Pour la suite, comme au début de partie, je suis très limité niveau budget. Je vais faire que des routes en terre, parce que c'est ce qui coûte le moins cher à construire et à entretenir. Et puis je les améliorerai au fur et à mesure en fonction du trafic effectif dessus. Alors, je tire une route. De l'eau qui est là. Ok, pom 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 pom. Comment je vais faire? Et puis je vais partir en diagonale, histoire de pas m'enfermer dans le quadrillage de l'enfer en entier. Voilà, comme ça je pars en diagonale à 45 degrés. Et puis je vais faire un premier quadrillage de l'enfer, malgré tout. Ça me ferait une première zone où mettre du résidentiel, comme il n'y a que du résidentiel qu'on me demande pour l'instant. Enfin, d'ailleurs, je vais déjà tirer une deuxième zone. J'ai besoin
D'électricité. J'ai sûrement du vent en suffisance, donc mon éolienne. Ah, j'ai de la chance. Il y a du bien venteux par ici. Production estimée 8 mégawatts, ce qui est le maximum qu'on peut faire avec une éolienne. Donc, je vais déjà en mettre une ici. J'aurai besoin d'eau. Pour l'eau, ce qui compte, c'est le sens du courant, qui est indiqué par des flèches sur les cours d'eau. Évidemment, il faut la pomper en amont. Et les eaux usées, on les envoie en aval. Vous pouvez essayer de faire l'inverse pour ceux qui sont un peu scatophiles, mais en jeu, ça marche pas très bien. Sont reliés. J'avais tiré canalisation directement là. En mettre une ici, comme ça j'ai de l'eau et j'ai l'évacuation de l'eau dans mes deux zones que j'ai créées ici. Il va falloir que je tire de l'électricité. Ici. Ça fait loin, mais c'est pas grave. La pompe à du courant, l'évacuation des usages du courant. Je peux zoner. Tout début, j'ai que des résidentiels, donc boum, boum, résidentiel. Je sais que je suis en pause. Et allons-y, voyons ce qui se passe. Dans mes fenêtres d'info, j'ai pas encore toutes les fenêtres d'info, elles se débloquent au fur et à mesure qu'on progresse en population. Je peux confirmer que j'ai l'électricité qui vient, après ça saute de bâtiment en bâtiment. Donc très vite on peut se débarrasser des lignes électriques, ça c'est assez bien. Je suis en totale surproduction. Autant pour l'électricité et pour l'eau. En rouge c'est qu'on produit pas assez, en jaune c'est qu'il vaut mieux pas s'étendre tant qu'on n'a pas ajouter de la capacité, et en vert, on est tranquille, on est relax, quoi. Disponibilité d'eau, et par contre pour les eaux usées, il me dit que non. Pourquoi? Pourquoi? Je suis connecté pourtant. C'est activé, ne fonctionne pas. Pourquoi? Ne fonctionne pas parce que personne demande est-ce qu'il fonctionne? On verra. Alors, mes zones résidentielles se remplissent. J'ai toujours de fortes demandes pour du résidentiel et je commence à avoir de la demande pour du commercial et de l'industriel. Donc, je commence en étalant un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, les gens vont de la maison au boulot. Et de la maison faire des emplettes. Et le commercial, ça compte à la fois comme paf, du boulot et des emplettes. Donc, je vais mettre une zone commerciale à proximité de mon résidentiel. Ici, on va partir un peu une grecque. Hein. Hop, vers une zone. Lui amène de l'électricité juste ici au bord de la route, ça devrait être bon. Bon, si je désactive les guides, et voilà, comme ça, ça débordera. Je mets du commercial, j'amène de l'eau. De l'eau là. Et je connecte. Et comme j'ai de la demande aussi pour de l'industriel, je vais faire aussi une zone industrielle quelque part par ici. Ah, les guides, s'il vous plaît. Hop. Hop.
Hop. Même chose. Amener l'électricité. Ah non. Ça clash. Zoner. Amener de l'eau. Et vu que la demande est forte, ça devrait aller vite. Et alors il y a un effet de feedback à chaque fois, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Une fois qu'il y a des industries et des commerces qui sont installés, ça relance la demande pour du résidentiel. Et réciproquement, quoi. Bernard, si t'avais su, t'aurais pas dit des conneries. Ok. Bon bah alors, spécial casse dédi. La ville va s'appeler Saint-Bernard. Alors maintenant que j'ai du monde qui est installé. Disponibilité électricité, je suis au-dessus. Disponibilité des eaux. C'est marrant parce qu'ils considèrent toujours... Ah ! Enfin, ils fonctionnent normalement. Enfin. Voilà, c'est bien. Je suis largement au-dessus. Donc à ce stade-là, on peut être tenté de réduire les budgets. D'ailleurs, les mettre à moitié pour que ça coûte moins cher, comme on était super limité niveau thune. Et puis réajuster par la suite en fonction de la demande effective. Une fois que j'ai diminué les budgets, forcément, ça diminue la production électrique. Ici, je vois que niveau électricité, je l'ai trop diminué. Je vais mettre en pause, ajuster ça. Hop, on va mettre à 3 quarts. Ça devrait être assez. Et au niveau de l'eau, avec ce budget-là, on est quand même largement bon. Première nuit sur la ville. Plaignez de ne pas avoir d'eau usée. Être connecté et il y a la capacité donc ça devrait disparaître de soi-même, ça disparaît de soi-même. Ok. Demande ajustée. Résidentiel, commercialisons assez, un peu de demande en industriel, je vais zoner du résidentiel en plus. Emmener une nouvelle vague. Hop. Hop. Normalement je suis couvert, déjà en eau. Bien. Résidentiel, résidentiel. Installez-vous. Si je suis en balance négative au niveau de budget, donc il faudrait que... Je crois que je vais rusher un petit peu l'augmentation de population. On va attirer plein de monde, monter plus vite, ça fera plus de gens qui payent des impôts. Les impôts, c'est bien. Hop. Hop. Ouais, je peux zoner ici aussi d'ailleurs. Si ici. Oui. Hop, hop, voilà. Production électrique. On monte à 100%. Ok, à partir de là, je toucherai plus au budget électricité, je vais rajouter la capacité en rajoutant des éoliennes ou d'autres centrales.
consommation 4 MW, production 5 MW. Ok. Bientôt limite. Pour réinstaller d'autres éoliennes ici sur la côte. Comme le vent est plus fort, je vais faire ça. On va en mettre déjà une ici. Production estimée, 8 MW. 7, 8, ah oui, parfait. Avec ça, il y a de la marge. 300 habitants, si je dis pas de bêtises, le premier seuil est à 420 seulement. Oh, bien. Qui permettrait d'avoir, ouais, traitement de déchets, un début d'éducation et un début de soins de santé et. Le stade suivant est à 850. Okay. Zebuzor qui n'arrive pas à équilibrer la résidence et les commerces. Alors j'ai pas forcément de super recette pour ça parce que moi je suis vraiment réactif là-dessus. C'est en fonction de la demande et j'évite de zoner trop grand trop vite. Sauf plus tard en jeu, parce qu'évidemment quand t'arrives à une beaucoup plus grande ville, les ajustements se font un peu tout seul. Alors que ici forcément avec 356 habitants, tu rajoutes 3 boutiques et ça déséquilibre tout quoi. D'ailleurs ici j'ai pas de demande du tout pour du commercial, par contre on me demande de l'industriel. Ouais, donc je vais zoner l'industriel en plus. C'est un petit peu frustrant de ne pas avoir toutes les fenêtres d'infos en tout début de jeu, parce que par exemple là j'ai aucune idée du taux de chômage dans la ville, nombre d'emplois par rapport au nombre de personnes employables. Parce que ça c'est un bon indicateur en général de ce qu'on peut se permettre de faire. Est-ce que j'ai de l'eau dans cette nouvelle zone? Non. Ah! Tada! Et je débloque site de décharge, école élémentaire et clinique médicale. L'eau ici. Niveau décharge, je sais que dès qu'ils ont l'occasion d'en avoir, ils en veulent. Donc, je vais mettre ça à l'écart. Allons-y. Place une décharge. Pas de consommation d'eau, pas de consommation d'électricité, j'ai pas besoin de le relier au. Au reste des canalisations et des lignes électriques. Et on a premier camion poubelle qui va faire sa petite tournée. 445 habitants. Ils m'ont rempli tout le. Tout l'industriel ici, presque. Il y a encore de la demande pour l'industriel. Un petit peu de résidentiel qui est demandé, mais toujours pas de commercial. Le commercial, c'est vraiment en fonction de la population qu'on a en fait. Enfin, il faut une certaine clientèle pour que les choses puissent fonctionner. Oui, mais je vais pas nommer les routes, ça va. C'est gentil. Est-ce que j'ai de l'eau là-dedans? J'ai de l'eau là-dedans. Est-ce que je peux rajouter du résidentiel sans risque? Encore un peu de capacité électrique en rab. Pour l'instant, je force un petit peu tout le trafic à passer par ces voies principales entre les zones. C'est encore jouable parce qu'on n'est pas nombreux. Le trafic n'est pas du tout un problème en tout début de partie comme ça. Je vais mettre du résidentiel. Attends. D'abord, est-ce que j'ai de l'eau?
pause. Un peu. Changer tout ça. Je mets de l'eau ici. Je mets de l'eau ici. Je connecte ici. Voilà. Et on va accueillir du monde en plus. Alors comme il n'y a pas encore de service, tous ces bâtiments ici, dans... Ah évidemment je peux pas encore le voir. Mais il reste encore niveau 1. Soit par manque d'éducation, soit par manque de proximité de service. Ça c'est la règle en général, c'est que quelles que soient les zones, en fonction des services qui sont disponibles à proximité, les bâtiments vont monter de niveau, devenir plus efficaces en général. Par exemple, dans les industries de plus haut niveau polluent moins. Et en même temps, deuxième avantage, c'est que les bâtiments de plus haut niveau payent plus en impôts. Ici, on est arrivé à une bonne balance positive au niveau budget. Donc on peut commencer à faire aussi des choses qui coûtent. Des soins de santé, la clinique me coûterait 400 par semaine et on est à plus 1000. Avec un coût initial de 10 000. Allons-y. On va mettre ça ici. Le rayon... Alors ça, c'est en deux parties. Il y a un rayon d'action qui donne la... l'influence que ça va avoir sur la satisfaction des gens, et les routes qui sont indiquées en vert, ça indique un petit peu le rayon d'efficacité des services, c'est-à-dire la clinique va envoyer des ambulances, forcément dans ce qui est indiqué en vert ça va aller vite et ça sera efficace, mais s'ils doivent en envoyer une dans la zone industrielle ça prendra plus de temps. C'est pas critique, c'est juste quelque chose à garder en tête. Et on voit que l'influence que ça a eu sur la satisfaction ça va jusque là-bas. Alors que les routes apparaissent en gris. Je manque d'électricité. Je manque un peu d'électricité. On est que sur la côte. Il y a du vent en suffisance. Je vais rajouter une éolienne. Et maintenant que la population a augmenté, j'ai de nouveau de la demande pour du commercial. Donc, je fais du commercial. Alors, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Parce que rien est définitif dans ce jeu, on peut tout changer, on peut exproprier à tout va, on refaire des routes, casser des routes, changer des routes. Ça dérange personne ou presque. Et ça coûte pas très cher. Accélérer le temps que tout ceci se remplisse et qu'on atteigne, c'était combien, 850 habitants, prochain déblocage à 850 habitants, pour ajouter pompiers, police, et des spécialisations d'industrie, ça c'est, à mon avis, quelque part par ici, on devrait pouvoir faire de l'agriculture ou de l'industrie forestière. Mais j'ai pas encore l'indicateur. Alors je disais que les routes, je les commence en terre et puis ensuite en fonction du trafic. Ah, 850 habitants, bien, bon. Diminuer la vitesse, ok c'est bon. En fonction du trafic, je les améliore pour que les itinéraires plus utilisés soient plus efficaces. Donc ça, ça prend... Ah, ici dans le résidentiel. Ici dans le résidentiel c'est calme en fait. Ça, on va le mettre à jour. Évacuation de usée insuffisante. Évacuation de usée insuffisante. On va en rajouter un. Ah, quoique, c'est parce que t'as pas assez d'électricité. Parce que la production d'électricité est insuffisante. 8 MW, ok.
tourne. Merci. J'arrive à... Production 22 MW, du coup... Ceci est de nouveau alimenté. Du coup, traitement d'eau usée est de nouveau dans le verre. Et du coup, les gens vont arrêter de se plaindre. Les gens arrêtent de se plaindre. Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ici? Les pompiers, police. Pompiers, ça sera super important. Je vais les placer ici, sur cette voie. Faudrait leur faire une bonne couverture. Police, on va en mettre, est-ce qu'on peut se permettre? 480 par semaine, on a plus 1800. Ouais, allons-y. Ils n'ont pas d'eau. Les pompiers qui n'ont pas d'eau. Il va falloir augmenter la capacité, d'ailleurs, en eau et eau usée. Ah, ici, si je le rapproche, normalement il y a un moment où je peux me connecter directement sur le tuyau. Voilà. Alors là, si je le rapproche, ça snap un moment. Sinon, je peux tirer d'autres tuyaux de toute façon. Voilà. Ça, on est de nouveau large là-dessus. Alors, j'ai le droit de voir mes ressources naturelles. Ressources naturelles. En jaune, ce sont les terres fertiles sur lesquelles on peut faire de l'agriculture. En vert, et ça correspond aux forêts, c'est là où on peut faire de l'industrie forestière. Et en gris, ici, je vois que j'ai du minerai, je vais pouvoir faire du minier ici. Mais c'est en dehors de ma case. Et je peux acheter. Ce terrain, ça coûterait 5000. J'ai pas assez, ça sera plus tard. On va faire de l'industrie tout court, alors. Hein. Quand ils en demanderont. On va faire du résidentiel tout court, parce qu'ils en demandent déjà. Hop. Non. Clic droit pour dézoner. Résidentiel, j'ai dit. Pas besoin de faire des quartiers, maintenant. Ah! Bon, je voulais faire des routes en terre. On a des routes en terre. Routes en terre, routes en terre, routes en terre. Je veux du commercial en plus. Je veux leur faire du commercial. Et oui, merci de rappeler, je vais mettre aussi une école. Et sinon, à un moment, l'absence de gens un peu éduqués, ça va être un problème. Et je vais mettre une école. Je ne peux pas encore parce que ça coûte 10 000 et que j'ai que 2700 en banque. Bon bah. Installons tout ce brave monde. Donnons-leur à boire. Et puis on va attendre que la banque se remplisse un peu. Un peu limite, qu'est-ce que je peux faire niveau budget? Électricité, je suis large. Diminuer un peu l'électricité. Ça va. Et au niveau haut. Au niveau haut, j'ai augmenté la capacité, alors j'aurais pu juste comme augmenter le budget. C'est pas grave. Ça... L'un compense l'autre, on va dire. Puissant par semaine. Une forte demande résidentielle. 1000 habitants. Prochain stade à 1300. Je pense que pour ajouter des gens. Ouais, je vais faire ça. Hop. Hop. Hop.
Ose casser ça. Voilà. Les services d'eau, histoire qu'on couvre bien tout. Ok, 1300 habitants. Et le budget augmente bien. Et du coup, je peux leur faire une école. École élémentaire, entretien 160 par semaine. On va la mettre genre au milieu. Voilà. Et avec cette influence, je devrais avoir assez vite des upgrades des bâtiments. Ça c'est bien aussi. Alors oui, au niveau des routes, je voulais... Voilà. On va déjà passer ça en bitume. Ça vaut le coup. L'électricité. Hein? Beaucoup de commerciaux, beaucoup de résidentiels. Tiens. Je pense qu'on va pouvoir monter à 2000 confortablement. Hop, hop. C'est couvert en eau tout ça. Voilà, voilà. On va rajouter du commercial aussi. On a voit ça. C'est droit ça. Bien de l'eau là. Presque. Ok. Ah, c'est de l'électricité. Ouais. Je suis à 100% au budget. Ouais. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais plus toucher au budget des services. De toute façon, vu la croissance démographique, je rajouterai des installations plutôt que de jouer sur les budgets, parce que ça devient vite de la trop micro-gestion de ces histoires de budget. Non, je vais pas faire de canal. Ah. 1700 habitants. J'ai envie de repartir en diagonale ici. Sans lui casser un petit peu la monotonie. Ici.
triangle aussi. Maintenant, j'ai toutes mes fenêtres d'infos qui sont disponibles. Et en population, voilà. Et chômage 11%, ce qui est peu d'emplois disponibles par rapport à la population. Et ça se reflète d'ailleurs sur les demandes de zones. Vu du commercial et industriel, mais peu de résidentiel, parce que finalement, les gens qui sont déjà là n'ont pas le boulot. Calme-toi. Ah, comme je disais, premier level up. Évitez de mettre de l'industriel juste à côté du résidentiel, trop près. Donc je vais pas zoner l'industriel ici. Plutôt le maintenir quand même avec une certaine distance, parce que la pollution dérange les gens à un moment. La zone et l'industriel en plus, ça leur fera du boulot. Au milieu. Voilà. Et je peux faire des parcs maintenant. Non, on va faire un parc. Où est-ce que j'avais mis mon école? Mon école, elle est ici. On va leur mettre un petit terrain de jeu à côté de l'école. En face de l'école. À côté de l'école. Ça exproprie tout ça, mais ils vont reconstruire. Faut pas se faire trop de cas de conscience. Les gens s'en vont et s'en viennent. Ils s'adaptent. On peut faire déjà du spécialisé, je pense. Ce que j'avais vu ici. On peut faire de l'agriculture ici, un petit peu. Je peux faire du forestier ici, un petit peu plus. On va faire ça. Baisser le son du jeu, ouais, je peux baisser le son du jeu. Hop. Audio. Ouf. Ça devrait être ça. Alors, je vais tirer une route. On voit pas très bien comme c'est la nuit. Ouais, notre affichage. Je vais tirer une route jusque là. Et puis installer un peu de forestier ici. Et bien dans l'alignement. Haha, ça proteste. Je vais passer par ici, puis faire du forestier là-bas. Partir à 45 degrés. Hein. Là-bas. Alors pour faire dans l'industrie spécialisée, je dois faire les quartiers. Affiche-moi mes ressources. En faire un ici. Et un ici. Et puis je les spécialise. Donc je dis qu'ici ça va être de l'agriculture et ici ça va être de l'industrie forestière. Et maintenant, je leur amène de l'eau. On va suivre la route, hein, ce sera plus simple.
Et puis je vais zoner de l'industriel aussi en fonction de mes ressources naturelles. Donc on va les mettre. Tout ça, ça peut être de l'agriculture parce que c'est bien placé. Ils sont un petit peu pâles, mais ça marchera quand même. Et ici au beau milieu de la forêt, ça sera du forestier et ça fonctionnera très bien. Assurer qu'ils ont de l'électricité. Ça devrait être bien. Où est-ce que j'ai zoné ici? Hop, amener de l'électricité. Et on va rajouter de l'électricité. Pause. Mégawatts, 46 mégawatts, plus 8, on va en mettre 2 tout de suite. On va laisser tout ça s'installer. Et voilà, premières industries spécialisées qui ne sont pas connectées au réseau électrique, qui sont maintenant connectées au réseau électrique. Désolé, jusqu'où? Parfait. Et au niveau forestier, ça commence à s'installer aussi. Très bien. Ça répond un petit peu à la demande d'industriels. Ce qui m'amène le chômage très bas. Ce qui fait que je peux remonter la population maintenant. Et ça se reflète d'ailleurs dans mes demandes ici. Allons-y. Et c'est toujours comme ça, c'est question de réaction, d'offrir ce qui est demandé et de garder un œil sur ce qui se passe, ce qui manque. Par exemple, j'ai une école primaire dans la ville qui n'a pas assez de capacité parce que j'ai 335 enfants pour une capacité de 300 dans mon école. Florissante, entièrement d'accord. Donc je vais faire une deuxième école. Je vais placer ici dans ce coin. Ça c'est pour le primaire et pour le secondaire. 754 élèves qui n'ont nulle part où aller. Et ici je vais pouvoir en prendre 1000. On va le mettre ici. Voilà. Et ceci. Voilà. Les deux ensemble prennent bien en charge les besoins en éducation de tout ce brave monde. Pourquoi vous n'avez pas d'électricité? Parce que je n'ai pas assez de capacité. 8 MW. Pourquoi vous n'avez pas d'eau? Parce que vous êtes un tout petit peu trop loin. Allons-y. Et donc là, je fais une situation qui est assez à l'équilibre. Faudrait que quelques maisons se construisent en plus pour occuper les jobs là-bas. Quand même un certain écart entre les emplois disponibles et les emplois occupés. Je pense que je peux rajouter encore quelques gens. Allez, on va rajouter. Je peux faire un terrain de sport. Je peux faire un terrain de sport. On va leur faire faire du sport. Tous ces glandus adolescents. Voilà. On va laisser les gens s'installer ici. Voilà. C'est déjà couvert, c'est bon. Nouvelle parcelle disponible, oui, mais pas tout de suite.
1500 employés pour 1800 emplois disponibles. Je peux encore rajouter. On est encore large. On peut rajouter une zone résidentielle. Ah, désactive-moi ces guignols. Ah, peut-être juste aligner. Ici, puis si je pars en le droit, ça sera bien. De l'eau, mets de l'eau et mets des gens. Ça, on va le casser. Niveau trafic, ça suit toujours. Je pense que je vais recouvrir cette route là et puis je vais rajouter ici un raccourci qui leur permettront d'aller directement à la zone résidentielle. Ah, la zone industrielle, pardon. Donc on améliore celle-ci. Toute la longueur, toute la longueur. Là. Et puis je vais tirer une route de là. Voilà. Goudronner aussi. Voilà. Et j'aimerais avoir très vite du trafic là-dessus. En tout cas, j'ai déjà des piétons. Voilà. Alors, est-ce que je suis à une situation équilibrée? À peu près tous les emplois sont occupés, le taux de chômage est très bas. Au niveau scolaire, on est largement à capacité dans les deux cas. Niveau électricité, moi un petit peu limite, mais ça va. Eau fraîche et eau usée, ah non, électricité c'est... un peu trop limite. Donc j'en rajoute une. Mais bon. Eau et eau usée. Ça suit. Et traitement des déchets. Là par contre ça ne suit pas. Parce que ma décharge. Pardon. Ouais non, si c'est bon. Oui, parce que c'est pas un traitement de déchets, c'est juste une décharge. Est-ce que je peux déjà faire un incinérateur? Non, pas encore. En fait, 7000. Ah oui, quand même. Ok, d'accord. Par contre, je peux faire un cimetière, parce qu'à un moment, des gens vont mourir. Je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Mettre ici. Voilà. Comme ça, en même temps, ça va contenter tout ce brave monde. Ça, c'est en train de se mettre à jour. Ça s'améliore. Ça 3300 habitants. Les demandes sont bonnes, donc ça veut dire qu'au moment où on veut s'étendre, on peut s'étendre. Et à ce stade, en fait, ce que je pense, c'est que le mieux, c'est de laisser tourner quelques temps, histoire de remplir, avoir des réserves de cash. Et puis ensuite, je pourrais voir pour prendre du terrain en plus. Et à mon avis, vu les ressources naturelles... Ah, j'ai du pétrole, là. Au vu des ressources naturelles, on peut prendre ça, faire de l'industrie minière en plus. Et peut-être aussi celle-ci, faire une deuxième connexion à l'autoroute. Mais bon, ouais, c'est un bon début, c'est stable. C'est stable et c'est gérable.
C'est surtout ça, on peut être vite tenté de se jeter comme un bourrin sur les demandes, et puis agrandir, 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 et puis finalement perdre le contrôle, et à un moment se retrouver à avoir vraiment tout dépensé jusqu'à ses derniers sous, et puis on n'a pas assez de capacité électrique, et du coup les gens sont pas contents, ils s'en vont par milliers, ça peut vite tourner au désastre. Améliorer un peu cette route ici aussi. Voilà. Hop. Pense que j'ai déconnecté électriquement. Ah non, ça saute par-dessus. Ok, ben je peux complètement supprimer ça du coup. Et cette éolienne-ci. Parce que les éoliennes, ça fait des nuisances sonores. Et ça affecte quasiment personne. Donc on s'en fout. Elle peut rester là. Donc la ligne là, je peux la supprimer parce que le courant saute de toute façon. Voilà, ça fera toujours ça d'entretien en moins. Si ça peut sauter. Celle-ci est inutile aussi parce que c'est connecté là. Oui, développer la ville plus tard. On n'est pas stressé. Ok. Ok. Des bureaux. Mais les bureaux, ça, c'est... Ouais, c'est aussi à 7000 habitants. Donc de toute façon, commencer comme ça. C'est un peu tendu ça de faire une ville sans industrie du tout. Jusqu'à avoir des bureaux, c'est-à-dire sauter directement une espèce de rush. Jusqu'à 7000 habitants. Le trafic. Ouais, je vais. On améliore ici. 3000 par semaine qui rentrent. 3500 habitants. Tranquillou. Le tout en étant, ça fait vaguement une heure de jeu. Donc comme je disais, pour la suite, je pense m'étendre par là. Ou par là. Ou les deux. Que combien ça coûte ? Terrain coûte 3400 et celui-là 5000. Et des sous, il y en a qui rentrent. Ouais, ouais, donc je pourrais faire ça. Histoire de m'en tenir, ouais, je vais m'en tenir à des épisodes d'une heure. Donc ça sera à la prochaine. Un de ces jours. Dans la semaine, je dirais. Voilà. Saint-Bernard, population 3600 habitants. Et. Je vais quand même leur ajouter un petit peu d'industrie maintenant tout de suite. 26% de chômage, c'est quand même. Ça me plaît pas. Hop. De l'eau. Hop. Donnez-moi de l'industrie ici. Poussez, 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 poussez. Que là voilà, j'ai toujours trop de gens, trop de population par rapport aux opportunités d'emploi. C'est triste. Hop. Hop. Faire ça en version bête et méchant. Voilà.
Hop. Ah, de l'incendie. Et les pompiers qui arrivent donc. Ça va, c'est quand même assez efficace. Alors que ils sont où? Ils sont ici. Et ils ont le boulot. Et que si je prends l'info, pompiers. On est déjà plus sur les routes vertes, donc c'est des endroits où ils sont censés pas pouvoir intervenir vite. Pourtant ils le font. Ah! Ça arrive, la foudre qui est tombée sur une ligne électrique, et du coup je suis déconnecté. Je me suis fait avoir une fois où j'avais pas remarqué, et j'avais toute une partie de la ville qui était complètement déconnectée du reste du réseau, genre tant qu'à faire. Et comme j'étais occupé complètement de l'autre côté de la map, j'ai rien vu passer, jusqu'à ce que je vois la population diminuer de genre 7000 personnes, 8000 personnes. Ok. Ah, les gens commencent à être éduqués, ils veulent pas travailler là-dedans. À un moment, faudra faire quand même des bureaux, à un moment, faudra quand même monter à 7000 habitants. Et ouais, ça sera pour la prochaine fois. Ce coup-ci, j'en reste là. Ça, c'est en une heure. Avec une balance budgétaire largement positive. Et puis, ouais, mais ça reste quand même assez espacé, donc ça sera facile à modifier, à mettre à jour quand il faudra accueillir beaucoup plus de monde et avoir des plus grosses artères ici, genre des 4 voies ou des 6 voies. Parce que le trafic le justifiera. Pour l'instant, tout est à proximité, ou presque. Ce que je peux faire, comme il y a des piétons qui viennent là. Je vais faire un petit sentier piéton ici, en guise de raccourci. Hop! Quoi ça? Je veux pas vous stresser. Ok. Saint-Bernard-sur-Rivière. C'est moche, mais ça fonctionne. Voilà. Et ouais, je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc bah, merci aux 6 personnes qui sont venues regarder ça. Je m'attendais pas à ça, vu qu'à la base c'est pour une personne qui refuse d'être considérée comme étant une personne. Donc, merci et à la prochaine pour la suite des aventures formidables de Saint-Bernard-sur-Rivière. Ciao ciao!